Bonjour les amis, on se retrouve sur la maison côtière. Alors, comment il se sent là? Un peu essoufflé, un peu faim. Ok. Alors, je vais partir d'ici. Combien de jours il reste? Ah bon, on ne sait pas. Ok. Je vais laisser les pots ici. Elles vont continuer à sécher. Je viens de réparer les vêtements. Et je vais partir le long de la route, continuer à explorer jusqu'à arriver au camp des pêcheurs. Et peut-être jusque sur l'île des lapins. Alors, est-ce que j'ai de l'eau sur moi? 1 litre 75. Ouais, ok. Mais par contre, je n'ai plus rien à manger. Je dois avoir des morceaux de viande devant la porte. Ouais. Alors, allons-y. On va partir d'ici. Je cherche la sortie. Voilà. Ok, ça, je le laisse. On va voir quel temps il fait dehors. Il faut que je prenne deux ou trois morceaux de viande. C'est bien brumeux. J'ai plus de balles en stock. Non, j'ai plus que trois cartouches. Ah ben, cette flèche. Ouais, voilà, j'avais laissé du gibier. Allez, j'en prends trois morceaux. Voilà. Et on va partir. Alors, la route. On ne sait pas combien de temps il reste. 2 jours. Ok, je vais partir par là. Jusqu'à rejoindre ben, le camp des pêcheurs à l'autre bout là-bas. Alors. On y voit. Strictement rien. Oh. Des corbeaux. Je pense qu'il y a un bonhomme par là-bas. Quelle température il fait là? 7 degrés. Ah ben ça va. Du bruit les corbeaux là, mais je ne vois rien du tout. Allez, on progresse le long de la route. On est un peu essoufflé et ah, il a faim quand même. Voilà, je crois que c'est par là. On n'y voit rien, mais il doit y avoir quelque chose, je pense. Ouais. Alors, il y a longtemps, j'avais trouvé une boîte de cartouches par là. Et j'aimerais bien retrouver une. Plume de corbeau, indispensable. Alors, qu'est-ce que... Il a rien? Ah, il a déjà été fouillé. Ah, d'accord. Bon. Eh ben, on repart. Alors, comme me l'a dit Unus, plus tard je partirai là, enfin tout à l'heure je partirai sur l'île aux lapins, poser des collets. Ah, je sais même pas si je les ai sur moi, zut. Parce qu'il serait bien que j'attrape des lapins pour me faire des mitaines. Ouais. Alors, on va courir un petit peu. Ah, voilà la voiture. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Bon, je pense que l'avantage du brouillard, c'est que on n'est pas trop embêté. Alors j'ai dû y passer là. Ouais, c'est vide. Le coffre aussi, je suppose. Ouais. Alors on se retarde pas. On va pas trop manger. Un morceau là, parce que j'ai vu qu'il avait très faim. Voilà. Ça, il fera du bien. 960 calories dans le gosier. Ah, j'ai plus. C'est pas énorme. J'ai plus que 2 morceaux. J'aurais dû en manger un avant de partir. Allez, le camp des pêcheurs.
corbeau. Je vais peut-être au passage... Non, je la prends pas, la branche. Oh, ah ben ça alors. Ah, 2%. Non, merci. Il n'y a pas... Ah, je vois là-bas les quais. Ouais, d'accord. Alors, je vais quand même passer par, par la route. Parce que je voudrais pas une mauvaise surprise. Il y a sûrement des loups dans le coin, c'est pas possible autrement. Ah, je peux pas monter. Pourquoi je peux pas monter? Ok. Allez, hop, on est au camp de pêche. Je pense qu'il doit rien y avoir dans le coin. Alors, si j'ai des bois... Ah, j'ai pas de boyaux sur moi. Je prends le bois de récup, là. Ouais, plus rien dans les caisses. Ah, ça n'a pas été fouillé. Ouais, l'accélérant, ok, très bien. Ah, ben, ça n'a peut-être pas été fouillé. En fait, je ne sais pas. Rien, ça fait un petit moment que j'ai pas réouvert The Long Dark. Il n'y a rien. Des chaussettes trouées là, non. Bon, on va voir l'autre maison. Oui, pour faire des pièges, vu que je ne les ai pas sur moi, il faut des boyaux. Et du bois de récup. Plein de palettes. Ça, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y a un établi dans la dernière maison. Tiens, je le prends. Donc, il faudrait que je trouve une bébête avec des boyaux. Que je lui fasse la peau. Et que je les fasse sécher. Ouais, ça a été fouillé. Ok. Bon, il n'y a rien ici. Non. Allez, on va voir à côté, on perd pas de temps. D'accord. Il y a peut-être un cadavre d'animal quelque part. Ah, un bout de viande qui doit être bien pourri. Viande de loup en plus, ouais, d'accord. Ok, j'étais déjà venu ici. Il y a encore des parties de cette carte que je n'ai pas explorées. Bon, là, il y a des tissus. D'accord, ils n'ont rien rajouté. Ah, ben tiens, voilà le fameux couteau que j'avais recyclé. Je vais le garder, pas les allumettes en carton. Dans la caisse, là, il n'y a rien. Non. Ok. Allez, on continue la visite rapide du quartier. Ok. Y a personne là-bas? Ah, je suis sûr qu'il y a un corps d'animal quelque part. Mais je ne le vois pas. Et pour l'instant, je ne vais pas m'y aventurer. Dans les barques, là. Des fois, il y a des trucs. Non. On peut passer là? Non. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Ok. Plein de palettes. Ici, l'établi. D'accord. C'est vide. Ah, des hameçons. Ça, c'est très bien. Une ligne de pêche. Cool. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des objets qui sont réapparus. Puisque je suis déjà venu ici. Parfois, ça dit que c'est vide. Parfois, ça dit que ça ne l'est pas. Ok.
Oh, t'es fatigué déjà? Marc, t'as bien marché là. Ah, c'est verrouillé. Tiens, donc ça n'a pas été fouillé, ça, ou alors ils ont rajouté les casiers. Ouais, beurre de cacahuète. Non. Oh, ouais, mais enfin, j'ai pas le. Non, je prends pas. J'ai pas le fusil pour les pistolets de détresse là. Non, 2 kilos. Je ne les prends pas. J'ai mes bottes en peau de serre qui sont maintenant à 94%. Ça s'use assez vite. Remarquez, là, l'autre fois, j'ai subi un blizzard assez terrible. J'irais bien à la. Dans l'île au lapin. Alors, comment il se sent là? Il est assez fatigué. D'accord. Je n'ai rien à faire cuire. Ah ben j'ai dû oublier le poisson qui était cru que j'avais pêché. Il devrait y avoir peut-être une cabane. Ouais, mais là je suis bien fatigué. Une cabane de pêche quelque part. Mais des loups aussi certainement. On n'y voit rien. Il doit y avoir une cabane de pêche par là-bas. Ah. On n'y voit que dalle. J'entends bien les corbeaux, mais je ne sais pas où ils sont. Alors j'ai toujours un bout de viande de loup pourri sur moi. Au cas où. Ah, il y a les corbeaux par là-bas, hein, d'après le son. Il y avait quoi là? Rien. Et là, il n'y a rien. Ok. Je peux sauter là? Ça paraît bien haut. Ouais. Il est fatigué le coco là. Je vais juste aller voir dans le bateau s'il n'y a pas quelque chose. La boîte à outils, ouais, non. Ok, donc il n'y a rien. Bon, il devrait y avoir une cabane de pêche là. Parce que j'ai plus grand-chose à manger. Allez, je m'aventure là, mais c'est sûrement pas très prudent. Il n'y a pas que les corbeaux. Ils sont pas par là, les corbeaux? Ah. Ouais. Et lui, il n'a pas été fouillé. Bon, bah, tout ça pour ça. Ok, merci. On va rester sur les petits îlots, revenir à la maison, parce que là, il commence à fatiguer grave. L'île aux lapins, elle est par là-bas, je pense. Hein, donc, j'irai bien y faire un tour. Je pense que tant qu'il fait beau, on n'est pas trop embêté par les loups. Il fait 6 degrés. C'est royal. Ah, un cerf là-bas. Et le brouillard se dissipe, j'ai l'impression. Ah, oh, le cerf, ouais, mais là, il me faut le fusil, mais j'ai plus que 3 balles, quoi. C'est embêtant, ça. Voilà, on va sauter. Voilà. Alors, le brouillard se dissipe comme il faut, là. C'est assez étonnant. On perçoit presque pas qu'il se dissipe, et puis, hop, il n'y en a plus. Et ça m'étonne que il n'y ait pas de loup. Ok, les corbeaux, on les voit. Ah, la cabane de pêche, elle était là-bas. Ouais, elle est fermée. Je vois, il y a une porte. Bon, mais de toute façon, j'ai à manger. Combien il reste de jours là? 4 heures de jour. Ouais, c'est pas énorme. Et attends, je vais rentrer dans la maison pour pas me faire surprendre. Je voudrais voir ce que j'ai en nourriture et en eau. Est-ce que ça vaut le coup de faire un feu ou pas? Alors.
J'ai deux morceaux de viande, cette grosse boîte-là de beurre de cacahuète, 1,60 litre d'eau, 33 kilos. Ah ouais, puis il commence vraiment à fatiguer là. Il ne peut porter que 28 kilos et ça baisse. J'ai toujours ce kilo de viande pourrie là qui m'encombre, mais bon. Je dois avoir un peu de bois. Ouais. Bon, ben, il va falloir, je pense, passer la nuit, se reposer, parce que là, il est crevé. J'ai 5 fûts de flèches, ça je pourrais les poser, hein. Ils me servent pas à grand-chose. J'ai plus qu'un kit de couture à 21%, ouais, parce que j'avais tout réparé les fringues avant de partir, et elles en avaient besoin, hein, c'est suite au blizzard. Ou alors, je tente le coup, non, je vais à la maison au lapin, hein, vu qu'il fait beau. Ouais. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça. Tiens, le brouillard revient. C'est fou, ça. Le cerf est là-bas. Ah, c'est dommage, je peux pas l'avoir avec l'arc, quoi. Je suis trop loin et on peut pas tirer accroupi, alors. Y a pas de loup dans le coin? Pour l'instant, je n'en vois pas. Je voudrais bien descendre là. Voilà. Alors, on va sur l'île aux lapins. Allez. Pas de loup. Cabane de pêche là-bas. Ok. Ouais, c'est vraiment joli le paysage. Là, ça doit être un petit îlot isolé, je pense. Il doit plus pouvoir porter beaucoup le pauvre là. Je suis en train de le surcharger avec mes petits bâtons. Ok, on continue. Pas de loup. Faudrait que je m'amuse à aller faire toutes les cabanes de pêche là. Ça ferait découvrir un pourcentage supplémentaire de cartes. Ouais, t'es fatigué. Et là, je te demande de courir. C'est vraiment trop injuste. Alors. Oh. Oh, c'est nouveau ça. Qu'avons-nous ici? Ouais, pas mal. Ouais, 83%. Très bien. Rien de méchant à l'horizon. Bon, c'est pas là où j'étais, là-haut. Je pense pas. Hop, restons sur la glace qui a une couleur blanche quand même, parce que. Sinon, on va prendre un bain. Et je crois que je me suis lavé l'année dernière, donc c'est pas la peine, merci. Ouais. Ok, c'est très bien là. Je pense qu'on est pas mal du tout. Il va nous dire où on arrive. Pas de loup. Non. Ah, c'est magnifique. J'irais bien au bord de l'eau vive là-bas, mais bon. Hein, on n'est pas indestructible, hein. Alors, oui, on va y aller. Là, ça monte. Donc, il va falloir mettre des chaussures à crampons. On entend le bruit des vagues, on se croirait au bord de la mer. Il y a toujours des corbeaux. Allez. Un petit effort, on est presque arrivé. Eh oui, l'île aux lièvres, voilà, super. Du bois. Voilà, c'est l'île où je croyais être la dernière fois, et comme me l'a fait remarquer Unus, mais je m'en suis aperçu après, j'étais sur l'île du Misanthrope, c'est l'île qui est juste en face, où j'avais été accueilli par un loup.
Ça peut être une coutume locale. Magnifique. Ah, je vois un loup là-bas sur la glace. Wow, elle est bien ici, là. Putain, sacré point de vue, là. Waouh. Magnifique. Alors, tout le bois, je vais le jeter dehors. Là-bas, c'est quoi? Une cabane. Ok. Là-bas, il y a un loup en face. Et tout en bas, il y a tous les lapins. Comme il fait la température, là. 5 degrés. Est-ce que... Je crois pas que je les ai, hein, les collés. Ils seraient dans quoi? Dans le craft, là? Non, je les ai pas. Non, par ici, ils seraient là. Non, je ne les ai pas pris. Et c'est fort dommage. Ah, la musique redevient un peu sinistre. Alors, je crois bien que... Je sais pas si je suis déjà venu ici. On va voir. Un bouquin... Pas très intéressant. Ah ouais, ça a déjà été fouillé. Donc, du journaux. Le bouquin peut être pour allumer le feu, pour faire de l'eau. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'utilité. Tout ça, c'est vide. D'accord, il y a un lit moelleux et confortable là-bas. Alors, en attendant, je vais poser le sac de couchage par là. Ça fera un kilo de moins. Hop, voilà. Ok, rien de spécial ici, pas de cartouche. Non, la cuisine a dû être fouillée, ouais, c'est exact. Le micro-ondes, il marche pas. Là, il n'y a rien non plus. Ah, ça n'a pas été fouillé ça, ou ça a été rajouté après, je sais pas. Non, rien. Ouais, encore de l'accélérant, ouais, pourquoi pas. Ok, bon, il n'y a rien de particulier ici, la chambre. Ah, ça n'a pas été fouillé ça, mais si c'est pour avoir des fringues, ça m'intéresse pas trop. Non, ça fait deux fois qu'il y a des bottes qui pèsent 2 kilos là, non. Je préférerais trouver des cartouches. Non, là il n'y a pas. Non. Sous le lit... Il n'y a rien sous le lit. Non, il n'y a pas l'air. Ça, ça a été fouillé. Ah, rien derrière, rien dessous. Là-bas, il y a des chaussettes. D'accord. Je pense qu'il n'y aura pas d'eau dans la salle de bain. Ah, ça c'est vide. Ouais, d'accord. Là, il n'y a plus rien. La trousse à pharmacie, elle est vide. Et l'eau, je pense qu'il n'y en a pas non plus. D'accord. Bon, donc ça a été fouillé, il n'y a rien de très intéressant finalement. Dans la baraque, je vais jeter le bois, alors il est crevé là, non? Ouais, il est bien crevé, il a assez faim, et il a un peu soif. Je vais jeter le bois dehors, pourquoi pas en couper un petit peu pour me faire une petite provision. Parce que on va... Peut-être pouvoir rester... Ah ouais, je suis sorti de l'autre côté, là. D'accord. Je préfère me mettre là. Voilà. Au moins, je suis à l'abri des prédateurs. Alors, on va jeter le bois. 13 morceaux. Jeter tout. Les bois de récup, jeter. Ouais. Les allumettes, ça va. 3 morceaux, 2 journaux. Bah, il y a un des journaux que je peux... jeter. Ok, je suis à 31 kg, ce qui est pas mal. Je vais peut-être ranger les choses là qui ne me seraient pas très utiles. Je vais en profiter pour ravitailler la lampe. Voilà, très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là? J'ai un tas de kits de lignes de pêche. Ma pierre aiguisée est à 50%, mon couteau à 82, celui-là 91, et la hache est à 97. D'accord. Je vais aiguiser celui-là. Il fait pas froid, il fait beau, on est dehors, on profite du grand air. Il est assez épuisé quand même, hein. 87.
Il reste 1 heure de jour. D'accord. Bon, ben finalement, ça tombe plutôt bien. Allez, on va le réviser un petit peu. En fait, si au passage il y a un loup, j'en profiterai pour lui faire goûter les flèches. Ouais, c'est bon. Je voudrais ramasser un vol de corbeau. Ah ouais, parce qu'il y a quelque chose là-bas, quoi. Est-ce que c'est un animal? Oula, peut-être qu'il fait pas chaud, là. Ouah, le vent. Eh, mais il y a des corbeaux partout. Degrés toujours, d'accord. Les corbeaux qui étaient par là. Ah, avec le vent, ils ont dû partir. Bon, d'accord. La branche, je la prends pas. J'avais vu des gros morceaux de bois. Ah, j'ai du mal à avancer contre le vent là. Des petits lapins. C'est magnifique les couleurs là. Alors, faut que je trouve au moins un gros morceau de bois là, du cèdre ou du sapin. Ça, c'est des branches. Ça aussi. Il n'y aurait pas ça dans le coin là. Ouah, le bruit du vent dans le casque, on s'y croirait. Bon, il n'y a que des branches finalement alors. Bon, ben on va aller dormir. Et demain, on poursuivra. Là, je vais peut-être boire. Alors, je suis rentré par la cuisine. D'accord. Et j'ai mis le sac de couchage là-bas. Donc, il vaudra mieux que je passe par la cuisine parce qu'il y a la rambarde pour me protéger. On va manger et boire parce que là, le pauvre, il en peut plus. On va manger ça. Déjà, boire ça. La nourriture pour chien est à 83%. Donc, je préfère manger ça. Et en plus, c'est plus lourd. 900 calories, ça va pas le rassasier complètement, non. Ouais, on va manger un morceau de viande là. Voilà, il va en rester. Et encore un peu d'eau pour éponger. Voilà. Ok. Là, on est presque bien. Il n'y a plus qu'à dormir. Ouais, il a un peu plu, il fait 17 degrés. Allez, on va dormir 10 heures. Hop, soyons fous, ça devrait passer largement. Ah! 64 jours, 13 heures et 43 minutes. Pas mal. Il doit mourir de soif, ouais. Comme d'hab. 1 litre 36. Voilà. Je pense que là. Oh, il est pas tout à fait reposé encore. On va dormir 2 heures. Je pensais qu'il était complètement reposé, mais non. Bien. On prend le sac de couchage. Et on va. Alors il est comment là? Ouais, ça va. Je passe par la cuisine et j'aimerais bien aller pêcher quand même. Si je peux, ou alors voir où tourner les corbeaux là. J'aimerais bien trouver 2 boyaux pour faire ces foutus collets. Ah, le temps est moyen. Moins 9. Ah ouais, quand même. Moins 9. Ouais, il y a les lapins en bas, mais. Je vais pas leur faire grand chose là, peut-être avec les flèches. Wow, c'est la falaise là. Et là, c'est par là où je suis arrivé, je crois. Tiens, d'ailleurs, c'était une des branches comme ça que je cherchais. Je vais la décomposer, mais comme il fait froid, voilà, je me refroidis plein pot. Et à mon avis, ça va pas s'améliorer. Moins 19, quand même. Moins 19, la vache.
Moins 20, moins 21, moins 22. Et voilà, le blizzard qui va m'abîmer les vêtements, qui va foutre le bordel. Hop. Oui, t'as froid, oui. J'aurais pu jeter le bois, mais c'est pas grave, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà. On est à limite de poids. Ah, je voulais aller pêcher, je voulais aller explorer les alentours de l'île. Mais je peux pas faire grand-chose là. Il a faim et soif. On va manger ça, ouais. 500 calories, c'est toujours ça. Bon, ce serait bien que le temps s'améliore. Ah, c'est. Et je vais être un peu à court de nourriture. L'eau, c'est pas trop grave puisque je peux faire du feu. Donc, il comptait me faire rapidement des collets, ouais, mais il faudra. Si, même si j'ai des boyaux, il faudra que ça sèche. Et il y en a pour quelques jours. Ah, on n'est même pas fatigué. Il fait juste froid, quoi. Il fait juste pas beau dehors. C'est embêtant. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu veux faire avec un temps comme ça? Moins 22, il y avait. Ah ouais. Là, on est en plein vent, moins 15, moins 16, moins 17. D'accord. Eh ben, il va falloir attendre. On va attendre. On va le faire passer 2 heures. Voilà, bon, il s'est réchauffé. Ah ouais, puis même faire un feu avec un temps pareil, j'entends que ça souffle toujours aussi fort. On va refaire passer 1 heure. 1 heure. On va dormir 1 heure. Ah, il reste 8 heures de jour. Donc c'est que dehors le temps doit être mieux, 7 heures de jour. Ok. Il a juste soif. Alors, j'en prends deux. Alors, on va aller faire un tour. J'aimerais bien aller pêcher, je prends 3 bâtons, voilà, et puis j'entends les corbeaux au loin. Où est-ce qu'ils sont? On n'y voit vraiment que dalle. Il y a du brouillard, c'est par là où je suis arrivé, d'accord. Il n'y aurait pas une cabane de pêche ou quelque chose par là. Ah, les corbeaux qui tournent là-bas. Petit lapinou. Ah, pour les avoir de là. Ah, je vois un cor là-bas. Une cabane de pêche, d'accord. Les plumes de corbeau. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, j'aimerais bien aller à la cabane de pêche. Ah, il y a un loup là-bas. Je pense que je peux y arriver. Oh là! Barbe de Jupiter. Je vais quand même la prendre.
Voilà. Le loup. Il est là-bas. Ok. On y va. On court un peu. Est-ce qu'il y aura une porte? Je sais pas. Un loup là-bas aussi au loin. Ah, il y a vraiment beaucoup de loups par ici. Mais là, je pourrais presque les attirer, les tirer avec les flèches. Ok, on va jeter le bois. Le bois, le bois. Voilà. Est-ce que ça a été fouillé? Non. Oh, bien là-haut, de l'eau. Justement, j'en ai plus beaucoup. Il doit me rester même pas un demi-litre. Très bien. Rien au-dessus. Ok. Alors, ils sont où les copains là? Je les vois plus. Oh, le brouillard, il est de plus en plus dense, quoi. Bon. Oh, j'entends les loups qui hurlent. Combien il reste de jours là? On ne sait pas, bien sûr. On va pêcher. Alors, ouais, au couteau, je ne sais pas quel temps, si ça met plus de temps que qu'à la hache. Oui, il semblerait que oui. Et ça les souffle pas mal. Ah oui, ça met des plombes là. Allez, on va pêcher 2 heures. Il fait pas froid. Ouais. Ouais, t'es un peu lourd. Allez. Un saumon, 4,72 kg. 1400 calories. Oh, le pied. On va repêcher une petite heure. Ah, il reste 3 heures de jour. D'accord. Là, il me dit que le trou sur glace est vidé. Le brouillard s'est un peu levé. Le loup est là-bas. Je suppose que l'arc, là, il doit pencher dans tous les sens. Oui. Parce que je suis assez fatigué. J'espère que j'ai eu la bonne idée de prendre le sac de couchage. Oui. Là. Il doit avoir soif et faim, bien entendu, oui. On va se désaltérer. Ah ouais, il n'y avait pas un litre. D'accord, on va manger ça. Voilà. Il doit être assez fatigué là. Oh, ça va. Un loup là-bas. Un loup ici. Est-ce que je peux lui tirer une flèche si jamais je la tire? Tu me vois pas là? Qu'est-ce que la glace? Ça y est, il m'a vu là. Oh, je l'ai eu, mais enfin, je l'ai touché, mais pas comme j'aurais voulu. Alors, il va revenir par ici, là? Ce serait bien qu'il revienne. Reviens par là, mon pote. Ouais, il revient. Ah! Et ma flèche qui est partie, je sais pas où là-haut. Là-bas.
Il revient pas le loup? Les couleurs sont magnifiques. Bon. Il a dû crever quelque part, non? Pas encore? Ah, je sais plus où il est passé, là. Il y en a bien un là-bas, mais je crois pas que ce soit lui. Ouais. Et il reste 2 heures de jour. Et j'ai de gros poissons sur moi. Ah, j'aurais bien aimé avoir le loup, là. Je vais laisser le bois ici. Je continue à pêcher 1 heure et puis je rentre. Ah, le loup là. Il vient, il vient, il vient. Allez, on va le chercher un petit peu. C'est qu'il court vite, hein. Il me voit pas avec le brouillard s'il va me voir là. Ah. Alors, il me voit pas là? Yes. Bien vu. Allez hop, alors je prends la hache ou le couteau. Attends, je prends les boyaux, la fourrure. 56 minutes, ouais. Et là, 40 minutes. Hop. Pour qu'il n'y ait pas notre loup. Yes. Bon, ben là, j'ai fait une bonne opération. Waouh, je suis content. Il reste moins d'une heure de jour. On est assez fatigué. On va peut-être rentrer à la faveur de la nuit. Non, non, on va y aller. Allez, on ramasse ça. On va être un petit peu lourd. Combien on pèse là? On pèse 36 kilos et peut importer que 29. Ok, je laisse le bois. J'ai le gros poisson. Allez, on retourne à la maison là-haut. On va faire un petit festin. Bon, ben je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Hein. Quand j'arrive à la maison, on en reste là. On va passer par là. Ouais, t'es fatigué, mais il va falloir grimper là. Allez, quand on arrive à la maison, on en reste là. Oh, le lapin. Tant pis. Est-ce que je vais pouvoir monter là? Oui. Super, la maison est tout là-haut. On va essayer de passer tout droit. Non, ça je prends pas. Allez, c'est bien. Bon, ben ça a été une bonne saison là. Une peau de loup, deux boyaux que je vais vite jeter par terre. Je sais pas si j'aurai le temps de me faire des collets. Entre temps, mais bon, il va falloir qu'il sèche. La maison est là. Super. Et il aura mérité un bon repos. Voilà. Bon, on va jeter la peau ici. Bon, ben les amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous aimez. Et soyez prudents si vous sortez sur le lac gelé. Allez, ciao, ciao.